Ok. Bon, alors du coup, l'artiste sur la forêt rouge, let's go. La map est quand même assez grande, hein. Je sais pas si ça va être très intéressant, on va voir. Ok. Ah, déjà, ils étaient à plusieurs là. Ah, ils sont 3. Ok. Ils sont 3, ils ont popé à 3 sur un gène. 4. 4 sur un gène. Là, ce que je disais au début, tu vois. C'était pas du fake, hein, le fait de foutre la zizanie dès le début. Ah, ils me l'ont terminé. Ah, j'ai pas su cliquer. Là, ils ont pop à 4 sur un générateur, ça fait très très mal. Hein. Ça fait très très mal. Ah, bien joué. Oh bah alors là, mon gars, je sais pas ce que t'as fait. Je savais même pas qu'il était là, j'ai cru qu'il était parti plus loin. J'ai été surpris là. Putain, j'ai pas de crochet. Je vais essayer de le mettre sur le crochet là, j'espère que je vais pas le regretter. Ça ponce les gènes, mais alors d'une force assez incroyable. Hein. Je vais mettre mon tour et jouer dessus. Ok, bien joué. Ah, c'est soit sur le crochet au calme. Ok, il y a quelqu'un qui a repris le gène au calme. Ouais, voilà. Ah, c'est des gros forceurs. Hein. Gros forceurs. C'est des très gros forceurs. Ok. Il y a un crochet blanc ici, c'est bien ça. Je pourrais voir s'ils sont en train de taffer sur quelque chose. Oh, un crochet derrière. Un totem, pardon. Un totem derrière. Et en plus, tu le fais alors que t'es blessé, toi. Ok, merci. Tu me refais ça quand tu veux, hein, pas de problème. Ah, c'est la team forceur de base de ouf. Vraiment, les mecs, ils font que ça. Ils ont qu'un objectif, c'est poncer. Salut Xeru. Et on va voir si ça taffe. Ouais, ça taffe. Ils ont repris le gel là-bas. Hop. Ouais, ça ponce encore là, ça ponce encore. Là, il veut terminer le gel à peu près. Voilà. Je vais éclater le gène tant que j'ai de rejouer. Ah,
Mais voilà, bien joué. Alors. Merci pour la gold palette. Merci pour le totem. Let's go. Ah, j'aurais pas l'occasion d'aller jusqu'au crochet là-bas, il est trop loin là. Il est trop loin. Alors, est-ce que ça a repris le gène là? Non. Ils sont enfin dit que c'était peut-être pas une bonne idée de forcer ces gènes là. Ils ont changé de tactique. Ah, j'en ai vu un au-dessus, je sais pas s'il a sauté. Non, il a pas sauté. Alors, est-ce qu'il va... Ok, il va prendre le jump. Oh, il a pas pris le jump. Il a pas pris le jump. Il a pas pris le jump. Bizarre. Et j'ai un crochet blanc juste là, je vais en profiter. Comme ça, je vais voir si ça retaf là-bas. Let's go. Ça retaf. Ah, ça taf là-bas, ok. Ok, ça se soigne sous le crochet, au calme. Ok, alors ça pète les palettes, maintenant ça, allez, ça craque là. Ça craque là. Attends, je vais aller si ça bosse. Ouais, le gène là-bas, il a dû le lâcher. Est-ce que t'es resté à côté ou pas? Ok, je sais pas. Et ça l'a pas repris. Ça l'a pas repris là non plus. Je vais péter la palette quand même. Ah, je suis tombé sur des mécaniciens. Ok, merci pour l'info. Pourquoi je suis bloqué encore là? Ah, des fois il y a mon clavier qui passe en... Ok, ils ont eu deux totems déjà. C'est dommage, j'étais content d'avoir fait mes totems là. Ok, quelqu'un ici aussi. Ah oui, c'est barré. Je suis en train de perdre du temps là par contre. Ok. Ok. Comme tu veux. Salut Kabouda. Pour l'instant, j'ai pas pu accrocher sur les crochets blancs. Par contre, j'ai mes jetons. J'ai mes 4 jetons, ce qui fait que ça bloque tous les générateurs. Ça, c'est plutôt cool. Ça va me permettre de pouvoir checker si. Je trouve pas. J'ai vu quelqu'un là-bas. Voilà. Donc, oui, je sais que maintenant, il y a personne qui bosse. Ok, j'ai réussi à le toucher. Je sais pas si je vais réussir à hit, je pense que oui. Ok.
Où est-ce que tu m'emmènes là? Bah il y a un crochet juste là, c'est cool. En plus c'est un crochet blanc, impeccable. Du coup je vais voir où est-ce qu'ils sont les autres, si ça bosse ou pas. Ok ça bosse là. Let's go. Ok ça hit. Je l'ai touché. Je viens de la toucher avec les corbeaux. Ok. Très très forte cette perk crochet. Hein. Très très forte. Je pense que c'est une perk qui va être intéressante de jouer en combinaison. Même sur les autres tueurs, il y a vraiment du potentiel là-dessus. Hein. On va pas se mentir. Merde. Mais c'est un peu planté là. Ok, crochet. Let's go. Ok, il est en train de bosser là-bas. En fait, non, il bosse pas là-bas. Je suis pas sûr qu'il aille à sauver. Il y a peut-être un espèce d'abandon quelque part là. C'est Yurifia. Non Antares. Ça fait péter le générateur qui est le plus avancé. Si j'ai bien compris, hein. Je peux me tromper hein, mais. Ouais ça laisse à l'abandon là. Le dernier. Ah bah voilà, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? On abandonne ses collègues? On abandonne ses collègues? C'est pas très gentil ça. Vas-y Kazera. Oh, t'es dégoûté un peu là non? Ah bah tu la méritais pas la trappe. Juste pour avoir laissé tomber ton collègue, tu la méritais pas du tout. Mais vraiment pas. Let's go. Bah GG. Ou pas. Mais bon, le bad game. Non, cette perk de crochet est vraiment... vraiment forte. La perk de crochet est vraiment forte. Alors, celle-là, j'avais pas. Et c'est fini, mais ça fait GG bientôt. Bienvenue à toi. Ah, j'ai même fait mon... Ah oh, bah j'ai même fait mon défi. Hein. Là, cette perk crochet, elle est... Elle est vraiment validée, je trouve. Crochet, flash dilateur. Quand t'as seulement suspendu un crochet et un flash dilateur, le générateur avec la meilleure progression explose. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui travaille dessus, quoi. Donc, voilà. GG.